Da Zone. Oui, effectivement, avec d'un côté ben, Rodriguez, que l'on n'attendait pas, et qui finalement joue devant aux côtés de Fuseini, le retour de Castro Montes, on en a parlé, derrière c'est toujours du... De notre compétition. Ben, il a eu quand même quelques saisons difficiles, hein, oui. Notamment du côté d'Aston Villa, et son prêt à Naples qui n'avait pas vraiment marché, donc voilà, c'est une étape très très importante pour lui, et Anderlecht pourrait en être bénéficiaire. Gauche. Ouais, petite poussée de Sardella là, intelligent pour écarter Leysen. Et pas matière à siffler faute en plus. Première incursion d'Anderlechtoise dans le rectangle d'Holberg, pas mal, c'est cadré. Ouais, ça passe d'un côté à l'autre, bon début de match. C'est sympa effectivement comme début de derby. Devant sa défense. Encore un centre, une belle déviation d'Aitelach. La belle remise, Fuseini, Rodriguez, le deuxième ballon pour Terreau en rentrée. Quel geste de Simic, c'est son deuxième geste défensif. Il y a déjà eu un super geste de Zamka, deux de Simic, un arrêt. C'est plutôt bien ça, deuxième poteau, Leysen. Rodriguez, balancé par Zamka. Penalty. Hey, il l'a vu, il le siffle. Il ne comprend pas ce qui se passe. Suffisant peut-être pour siffler penalty, soit il n'y a rien. Il a poussé du coude, complètement ridicule. Coup de coude dans les... Dans le thorax. Regardez, il regarde même pas le ballon en fait, Zamka. Il va quand même aller voir. C'est Monsieur Van Dries. Hein, qui est, Alors, est-ce qu'il avait sifflé faute ou faute de main? C'est ça la question en fait, Philippe. Alors, penalty confirmé. Effectivement, rater un pénalty qui aurait pu être son premier but avec l'Union. Attention, à Kosemans est en forme. Hein. Rodriguez ou Kosemans. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait? Cadeau à Anderlecht. Panenka. Complètement raté. Revisité par Rodriguez. Elle est toujours présente. Hein. Si c'est 2 ou 3-0 à l'heure actuelle, il n'y a rien à dire. C'est 0-0 et ils sont en reconversion. Avec Dolberg qui met bien ce ballon au sol pour son compatriote Trailleur. Bien fait ça pour Schreukens. Frappe ouverte. Maurice, c'est pas fini car Angulo est là pour le deuxième ballon. En retrait, bien joué. Schreukens encore. Et là, c'est trop court pour Léonie. Ce sera Aitelach qui ne joue plus Anderlecht. Première occasion pour Anderlecht. Ouais, c'est Schreukens là qui joue bien le coup. En Autriche. Alors, ce corner, Aitelach. Leysen qui rabat. Kosman sans problème. Gustinsson et le magnifique contrôle d'Angulo. Oh, et derrière, il enchaîne avec le geste technique. Grand pont, petit pont, j'ai pas bien vu. Angulo encore. La petite danse avec Castro Montes, la talonnade. Il aura tout fait sur cette action. Léonie, deuxième poteau, Dolberg. Dolberg, Maurice. Superbe action d'Angulo, là. Et puis, on refilera chez Christine et Nico. Dans notre boîte à boîte. Ça, c'est une bonne sortie de balle, propre et collective du Sporting, avec un super ballon. Avec l'effet, ça revient dans le terrain. Angulo, passe de Schreukens. Angulo, peut y aller seul. Hein. Angulo, c'est cadré. Ça manquait peut-être un petit peu de conviction quand même. Tadiki, donc, en dehors avec toi. Castro Montes. Et ils attaquent à 6 des joueurs de l'Union. Castro Montes dans le dos d'Aitelach qui s'en sort quand même. Petite feinte, petit dribble. Et Tadiki doit tirer. Il va tirer. Arrêt facile. La passe est parfaite, extérieur du pied pour Tadiki. Attends le soutien. C'est encore Castro Montes. Ouais, mais qui lui permet aussi d'avoir une fausse piste. Castro Montes, deuxième poteau, terre au contrôle. Bam ! Sur la barre. Quelle reprise du Finlandais. Arrivé il y a quelques instants. Ouais, avec un superbe centre. Là, ça arrive finalement chez Terreau. Oh. Kosemans s'est battu, sauvé par sa transversale. Centre qui transperce toute cette défense. C'est peut-être un des meilleurs matchs de Terreau depuis son arrivée à l'Union. Terreau fertile aujourd'hui. Mais quel travail de Castro Montes sur le flanc droit qui est au départ de cette action et donne un centre. Au centre, Rodriguez qui rate sa reprise et ce sera tranquille pour Kosemans. La plus belle occasion de la deuxième mi-temps, elle est.
deuxième mi-temps d'ailleurs. Terreau pour qui? Leysen. Dreyer, côté gauche, pour une fois. On revient chez Amouzou, les belles cette passe vers Skarren. Premier ballon pour le numéro 10 Anderlechtois. Dreyer en relais avec Vasquez. Hachimeru. Ouh, c'est pas loin du tout ça du poteau. Vous le voyez, c'est Amouzou qui le donne. Deuxième corner en Anderlecht, deuxième mi-temps. Et Vasquez était parvenu à passer devant. Qui gagne son duel. Mais regardez, à chaque fois qu'il est arrêté, on l'a dit. C'est une attaque de l'autre côté. Fouzaini, Kozmals, un gardien à l'autre. Il est fou furieux, Rimmer, mais c'est son rôle. Voilà, dernière action sans doute. On attend le coup de sifflet de Monsieur Laforge. C'est le cas. Il arrive 0-0 dans ce derby bruxellois. Lorsqu'Aaron sait qu'il a eu la petite balle de match, petite mimique du président, mais...